compliqué. Tout se passe en une fraction de seconde. La plupart du temps, ce sont que des réflexes. Le prochain cowboy à monter est Brent Brumett, USA. Il est sponsorisé par Kim Ranch. Il a été champion au collège de Kingsville. Champion McNee State College. Let's go! Let's go! Hey! Il est membre de la PRCA et de la CCPA. Attention. Let's go! Allez! Allez, ici! Allez, allez! On va une belle bourse! Là, il devrait y avoir un score aussi. Hein. Attention! Il monte free fall, Bucky Ranch. Il a été deux fois champion des équipes blues. Deux fois champion dans l'Iowa. Il est sponsorisé par les éoliennes. Let's go! Let's go! Allez, Dalton! Wow! Wow! Yes! Allez, Dalton! Aujourd'hui, le chef Rilouet nous en fait la démonstration aux équipes blues 2017. Les indiens des équipes blues de la French Connection. Allez, par qui passe devant vous, faites du bruit. Regardez comment il est, comme il est fier. Le chef Big Fly Eagle, il était en bas de chute, il n'est pas content du tout, il vient provoquer Yellow Hand dans une course de poste indienne. Ça m'aurait étonné. C'est dans la nature de l'homme, il faut toujours aller provoquer l'autre. Je crois qu'on pourra assister à une course magnifique de ces deux chefs indiens en poste indienne. Ah, il le provoque vraiment, hein. Ah, il le provoque, hein. Là, j'ai l'impression que... Regarde. Et je crois que c'est parti, on peut les encourager. C'est parti. Allez. Plus fort. Oh, j'entends rien, fais le bruit. Allez. Allez, il est là. Pour l'instant, le provocateur est en tête. Ah. J'entends rien à cette course. Là, faut faire du bruit parce qu'ils ont besoin de vous, là. Moi, je crois que Big Taïga est en perdition. Le provocateur a un problème. Le provocateur a un problème. Il capitule, c'est Yellow Hand, vainqueur de cette course. Le poste est bien, qu'on peut applaudir très fort. Alors, on fait du bruit pour le vainqueur.
Qu'on l'applaudisse. On peut applaudir quand même le chef. Big Fat Eagle, qui est venu provoquer. Elohim. Qui malheureusement a perdu cette course. Et il monte TNT. Oh, ça va exploser ça. Nous avons affaire aux meilleurs riders, aux meilleurs pool riders des équipes blues. Les points sont très serrés. On aura un Durand qui se met en place. Je rappelle aussi qu'il y a un trophée pour les meilleurs taureaux. Les 4 meilleurs taureaux seront récompensés par Génial Taureau, société pour aliments de bovins. On aura un qui se met en place sur TNT. Alors attention. Oui, non, toujours la même minutie. La même préparation. Ça fait 4 ans que la Société Géniale est en place sur Equipe Blues et qui récompense les meilleurs taureaux. Société Géniale, aliments pour bovins et génétique. Honorin qui a quelques difficultés avec TNT, vous allez voir ce magnifique taureau qui appartient au Buckingham Ranch. Alors vous voyez que la plupart des bull riders montent avec un casque pour se protéger la tête. Attention. C'est très sérieux, ils se disputent le podium, tous ces riders, les meilleurs bull riders des équipes blues. Il va falloir encourager très très fort. Ils sont au maximum de leur concentration. Honorin Durand, Nono, rider français, très concentré. Attention. Ah là, c'est la baisse. Allez, Nono! Let's go! Et des t-shirts. Adrenaline Induction qui appartient à Ivan Jay, qui blues. Alors attention. Rodriguez Wellington qui est 4e avec 74 points. Alors aujourd'hui la préparation est un peu plus longue. Mais il faut dire que l'instant est très important là. On est en finale là, c'est plus. Ouais, c'est la finale, ouais. C'est la finale, Mike. Oui, c'est ça. Les meilleurs taureaux et les meilleurs bull riders des équipes blues. Attention. Il se prépare à sortir d'un instant à l'autre sur Java. Let's go. Let's go. Allez. Allez, Wellington. Allez. Pour ce cowboy, il y a 47 points. Voici les 3 meilleurs bull riders. Tornado. Ça fait quelques années qu'on retrouve toujours les 3 mêmes bull riders aux équipes blues. Ils se disputent la première place. Et souvent, la première place se joue à quelques points. L'année dernière, on a pu voir Kevin Lewin gagner avec un point d'avance. Un seul point sur les 4. C'est parti. On encourage. Sur le podium. Il va tout donner pour gagner les équipes blues. Alors attention. Sur le taureau tic-tac. Je vous rappelle que d'énormes primes sont en jeu. Que les cowboys se disputent la boucle pour le vainqueur des équipes blues 2017. Maximum de concentration. Kevin Douen se prépare dans la chute. Il vient de Belgique, il monte le taureau. Tic-tac. Il va falloir encourager très très fort quand il va sortir, Kevin. Aujourd'hui, un maximum de concentration dans les chutes. Allez, let's go, Kevin. Let's go.
c'est genre.